Tu ne veux plus de Eli Zuno, libère-la. Est-ce que tu es obligé de la frapper? Tu es obligé de lui porter main. Tu as déjà vu quel vrai homme dans ce monde-là lever la main sur une femme? Tu as déjà vu ça où ça? Tu as déjà vu ça où ça? Quelqu'un me dit quoi? Tu as vu la bouteille qu'elle a soulevée, mais toi, ça ne va pas chez toi. Une femme a quel moyen de se défendre? Une femme qui se bat avec un homme là, tout ce qu'elle voit, elle va soulever. Tu as déjà vu quelle femme qui peut se battre avec un homme de cette manière là? Elle dit non, à quelle force pour se battre est énorme. Donc si elle voit bouteille, si elle voit couteau, mais elle va prendre ça pour se défendre, c'est lui qui est irresponsable. C'est lui qui est irresponsable. C'est lui qui n'est pas intelligent. Et son ami mouton à côté là, les deux là même méritent même d'aller. C'est que, frère, tu sais, j'ai du respect pour toi. Hein. Voilà, j'ai du respect pour toi. Et aujourd'hui, cette nouvelle version de Aperture dans cela ne me permet pas de pouvoir tenir des propos vis-à-vis de n'importe qui sur Internet ici désormais. Mais frère, j'aimerais te dire, ce que tu as commencé là, tu vas terminer ça. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer ça. Droit des femmes, on va mettre ça sur toi. Tu vas terminer ça. Ce n'est pas amusément. Donc un homme qui lève la main sur une femme, frère, ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Donc le fait de dire que peut-être c'est un musulman qui l'a tapé en plein milieu, on s'en fout de ça. Si un musulman l'a tapé où? Un musulman l'a pas tapé où? Qu'est-ce qui s'est passé où? Qu'est-ce qui n'a pas marché où? Frère, tu restes un homme. Un homme reste un homme. Face à des circonstances, c'est là qu'il prouve ta maturité d'homme. Donc un homme qui lève la main sur une femme, ce n'est plus un homme, mon frère. C'est une femmelette. C'est une femmelette. Parce que assieds-toi et puis pose-toi la question que quelqu'un est en train de frapper ta maman. Comment tu vas réagir? Moi, c'est tout. Hein. Je me dis, assieds-toi et puis réfléchis qu'un homme est en train de frapper ta maman. Même ton papa, s'il lève la main sur ta maman, s'il n'a pas bien fait, mais tu peux lui donner un coup de poing. Même ton papa, ton propre père qui t'a mis au monde, s'il n'a pas bien fait, tu peux lui donner un coup de poing s'il frappe ta maman. À pour faire raison, un inconnu va venir frapper ta maman. Donc imagine un peu ta réaction que tu vas avoir. Donc quand tu penses à ça, tu ne peux pas frapper une femme. Ce n'est pas possible. Si vous voulez insulter vous, dénigrer vous, mais que ça reste dans les paroles, mais jamais revenu aux mains, ce n'est pas possible. Jamais revenu aux mains. Une femme, on ne la frappe pas. Donc ténor, tu as fait fort ce soir. Voilà. J'aimerais te dire juste que c'est entré en matière. On va encore chercher d'autres informations et puis on revient. Mais quand je vais revenir là, ça sera dans mon salon. Adam, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. C'était le guide de l'Aperture National. En ensemble. Ciao, ciao.